Hello, il est quasi 5h du mat et aujourd'hui c'est le départ pour la visite de la première île, Lanzarote, number one. Bon, première chose qu'on fait en arrivant à Lanzarote. Un café s'il vous plaît. Ah ouais. Un petit déj. Chope la voiture et on va. On va dormir sur la plage. Voilà, le programme c'est est ça, à le plan. Le programme est annoncé. Bon, alors on vient d'arriver à Lanzarote et l'idée c'est que maintenant on va aller chercher la voiture. Il est 8h? Non, il est 8h moins le quart. Il est 8h moins le quart, à 8h30, on doit aller chercher la voiture. Ce qui veut dire qu'à 9h, à 9h on est parti pour petit raf. Et à 8h30 on est sur les routes pour aller choper un petit déj, faire des courses et emménager. Toujours une vidéo. Okay. Du coup, il prend les pauses comme si c'était une photo de genre. Du coup, il toujours fait ça sur la vidéo. Non, là, du coup, c'est un truc comme ça, genre. Alors, jet lag, je veux dormir. Un soldat. Bah, je peux te dire que ça durera pas 10 minutes. On va rentrer par là. Et on va sortir par là. Juste derrière, ça va être trop stylé. Thank you.
c'est juste trop stylé, c'est un truc que j'adore. C'est les cavernes souterraines. En mode archéologie. On va découvrir des trésors, ou pas du tout. C'est une visite guidée qui est faite 80 fois par jour depuis 60 ans. On va rien découvrir du tout. Oh. Est-ce que ce genre d'expérience, ça vous donne pas envie de genre de faire de la spéologie? Non, mais du canyoning, oui. Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous. Lâchez un pomme. Alors, je sais pas si vous entendez la musique d'église flippante, mais on se croirait dans catacombes. Donc là on est sur quelque chose de complètement ouf. Alors on voit rien du tout de nos têtes, mais je sais pas si vous voyez ça juste là. Alors ça c'est le vrai cave et ça c'est l'eau. C'est un reflet parfait. Alors, c'est comment cette petite grotte? C'est un sacré gros trou. Génial, visitez-le, c'est un sacré gros trou. On va retrouver notre groupe de potes qui sont arrivés plus tard ce midi. On est là depuis ce matin et on les retrouve sur la plage. Salut, aujourd'hui on est à Orzola. Du coup, on va prendre le bateau pour partir à la Graciosa et c'est parti pour une petite journée de vélo. Et on va essayer de débusquer des plages juste magnifiques pour voir des couchers de soleil, pour aller pique-nique, se poser, enfin ça va être juste énormissime. C'est génial, il n'y a aucune meilleure sensation qu'être sur un bateau. La toute liberté, le vomi pour certains. Non, c'est pas vrai, je suis pas malade, ça va. Alors on vient d'arriver à la Graciosa sans trop de vomi. En disant sans trop de vomi, genre moi j'en ai pas du tout. Donc on vient d'arriver à la Graciosa, tout s'est bien passé, les paysages sont foufissimes. Il y a une grosse feignasse derrière qui veut un 4x4 plutôt qu'un vélo. Ouais. Et la pollution sur l'île. On randonne. Et des cailloux à gauche et des cailloux à droite. Pourquoi t'as mis à la randonnée? Parce qu'on randonne. Ouh. Bon, du coup on est dans les petits quartiers de la Graciosa, je pense que le dépaysement peut pas être plus total qu'ici. Il n'y a pas de route, c'est juste du sable, on se croirait genre au Maroc, enfin, c'est magnifique. Et les petits villages typiques comme ça sont juste incroyables. Donc là on est tous devant le loueur de vélo, pour faire le tour de l'île en vélo, d'une plage à l'autre. On a Lisa qui est impatiente de pédaler toute la journée, elle qui voulait louer un pick-up il y a 5 minutes. Bon, du coup on est revenu à l'embranchement du début, toute la petite troupe est là. Du coup on va revenir au port, on va sûrement boire un verre. Du coup on va s'arrêter manger quelque chose pour Juliette et on va peut-être se poser sur la plage en attendant le bateau. Si 2 heures, ça veut dire que je suis morte. Hein. C'était un plaisir de vous voir, de vous connaître. Lâche la solution, t'as eu ma tête, tabernacle. Bon, du coup, on
on est de retour au port. On va bientôt prendre le bateau et rentrer à la Graciosa. Et on attend juste l'autre partie de l'équipe. Juste là. Tout le monde est super crevé. On est de retour à Lanzarote. On est posé, il y a un bal de vent, je vais essayer de me mettre dans un endroit où il y en a un peu moins. Du coup, on est posé sur la terrasse du Airbnb du deuxième groupe. On va prendre un petit apéro sympathique et après je pense qu'on va aller se poser vu que tout le monde a l'air un peu crevé. Et je vais commencer le montage de cette vidéo. Et le retour du vlog. Aujourd'hui on va visiter... T'es guisé. On va visiter tous les pueblos qu'on peut voir sur l'île et faire un gros tour du sud vu que pour l'instant on a visité que le nord. Enfin déjà bien. Pépite, je suis en train de courir parce qu'on n'est pas très longtemps avant qu'il se couche pour de vrai. Ça vient. Et voilà. On ne voit rien du tout avec le polariseur. Voilà, est-ce qu'on voit ou on voit? Le coucher de soleil, il est magnifique. Juste derrière, on peut voir. Là. Ce genre de petit spot de timelapse. Je sais pas, t'as un message à faire passer? Ah non, je passe à la télé. Et on reprend la route. Alors aujourd'hui on est au parc de Timanpaya, on va visiter des volcans. Ça fait une heure qu'on attend et on va trouver une place de parking. Je crois qu'après on monte dans des bus vu que la visite de parc se fait qu'en bus. Et voilà. La team photo. Regardez-moi ces gens heureux. J'avais tellement faim. Est-ce qu'on savoure le temps? Le temps, voilà. Hein, on va faire quoi du coup cet après-midi? Tant qu'il pleut plus. Regardez Simpson à la télé. Là je suis tout seul, les autres sont partis loin devant sur la colline. Je pense qu'ils en ont marre que je passe ma vie à filmer tout le temps. Et ça, ça fait des souvenirs de ouf. J'ai mon petit timelapse qui est là, c'est pour ça que... Je sais pas si on peut voir. J'ai le petit timelapse qui est là, oui, très serein. Et du coup j'attends de voir ce que ça donne. Et du coup c'est trop beau. Je suis content d'avoir ça parce que ça craint pas l'eau, le portable il craint pas l'eau et ça permet de faire des plans même s'il pleut comme en ce moment. Et ça fait plaisir. Et du coup voilà, le vlog n'arrête jamais et ça c'est trop cool. Ça va me faire super plaisir et je pense que ça fera plaisir aux autres d'avoir genre une petite vidéo récap du voyage et de tout ce qu'on a pu voir à Lanzarote. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et l'île elle est vraiment magnifique. Enfin, les paysages sont super différents, on passe de super belles plages de sable blanc, des petits villages tout blancs et bleus.
est vert, enfin trop beau. À côté on a des volcans, à côté on a une île qui est magnifique avec... Ça change tout le temps, on a de la mer, on a un petit côté atlantique, volcanique, et voilà, c'est juste trop beau. Je vois même pas pourquoi on essaie d'expliquer ça, c'est juste trop beau, et c'est trop stylé, voilà. Et c'était la suite du vlog. Et j'adore faire ça, ça me force. En fait, pourquoi je fais des vlogs? Parce que j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Casanesta, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Peter Mennington. C'est deux personnes que je respecte énormément et pour moi ils sont géniaux. Et leur philosophie, c'est se forcer chaque jour à vivre des trucs incroyables pour avoir quelque chose à raconter devant ça. Et ça force aussi soi-même à genre... Je sais pas, quand on n'est pas du tout à l'aise devant une caméra, ça vous force à genre prendre de l'assurance, à gagner de l'assurance en soi. Et franchement, c'est vraiment à ça que ça sert. Et il fallait que je le dise à un moment dans une vidéo. Et là, je trouve que le plan est vachement sympa. Je suis tout seul, du coup, j'ai moins honte de le dire devant les gens. Et franchement, ça fait super plaisir d'avoir des souvenirs. Et de lutter contre cette timidité devant la caméra. Et ça permet aussi de se forcer à vivre des trucs fous tous les jours. Et genre d'explorer peu importe le temps. Regardez comment c'est beau.